Bonjour à tous. Alors, petite vidéo balle. Alors, j'ai reçu là, je rentre tout juste de réunion et j'avais dans ma boîte aux lettres un colis. Alors, il me vient de Séverine, mais je sais absolument pas ce que c'est. Oula, c'est collé. Attends ça. Oui, donc je crois pas que j'ai fait d'échange avec. Ça m'inquiète toujours quand je reçois un colis comme ça et je sais pas. Mais non, j'ai pas fait d'échange avec. Normalement, je note tout. Ah, attends. Et j'ai aussi derrière un autre. Ah oui, merci, ma loutre. Quelque chose d'autre que j'ai reçu la semaine dernière, je crois. Que j'ai pas ouvert en balle parce que j'ai pas pu. Voilà, on voit pas comme ça. Voilà. Ah bah j'ai le petit mot. Qu'est-ce que c'est? Ah, génial. Je lis le petit mot. Tiens, commence à déballer si tu veux, ma loutre. À mon tour de te faire une surprise, j'y avais fait une surprise moi. Je me rappelle même plus. Je sais plus. Bah moi non plus. En tout cas, bon bah voilà, non, c'est pas un échange, j'ai eu peur. C'est une embellishment book. Le embellishment book. Bon, je prononce peut-être mal. Bah, merci beaucoup Séverine. Fais voir alors. Ah, ah oui, d'accord. Oui, je l'ai vu la vidéo. Attends, faut que tu baisses un petit peu. Ah, excuse-moi. Oui, je regarde, je. Waouh! Et donc, elle a fait tenir avec de la pâte à fixe. Elle m'a dit, comme ça, je peux tout récupérer. Ah ouais, top! Une petite enveloppe. C'est super joli, hein? Ah, les petits tickets, je les aime bien, ceux-là. Ah, mais aussi, elle en avait. Je sais pas où elles ont eu. Enfin, je leur demande. Ils sont super jolis. Ah, et puis les petits nœuds, j'adore. Allez, tout est tenu, d'accord. C'est super joli. Ah, c'est super sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les papiers sont très jolis. Je regarde. Elle est belle, la fleur. Ouais, elle est belle, la fleur. Mais tout est beau. Ils sont jolis aussi ces petits embellissements. Donc, voilà, ça s'enlève tout seul. Non mais je vais tout laisser en place. C'est super joli. Bah Séverine, merci beaucoup. J'adore. C'est magnifique. Un petit sequin qui est tombé. Voilà. Et ben magnifique, magnifique, magnifique. C'est trop génial. Et en fait, le système dedans, c'est exactement ce que je suis en train de faire en tuto. J'ai presque fini le tuto, je pense que vous l'aurez lundi. Je suis en train de faire un peu la même chose. J'ai pas mis ça. Enfin, c'est vraiment ouais, exactement le même style que le tuto que je suis en train de faire. C'est marrant. Donc voilà, ça me vient de Séverine. Merci beaucoup Séverine. C'est super gentil. Je sais pas si elle sait que j'ai une chaîne. Et elle m'a mis une petite pince aussi qu'elle a décorée. Eh ben, merci beaucoup Séverine. Surtout quand c'est un truc surprise comme ça, j'adore. Et ça, c'est pareil. C'est une surprise aussi que j'ai reçue. Donc la semaine dernière, je crois. Voilà, une jolie enveloppe. Ça, c'est Alexia. C'est parce qu'elle avait besoin de découpe que je lui ai fait à la caméo. Et du coup, pour me remercier, elle a fait ça. Donc c'est une enveloppe comme ça. Voilà. Donc. Et elle m'a fait plein de petits sachets. Voilà, une jolie carte avec un petit renard. Ouais, on aime les renards chez nous. Et pourquoi on aime les renards? On le dit ou on le dit pas? On le dit ou on le dit pas? Bah, c'est toi qui vois. Mon nom de famille,
de jeune fille et renard, en fait. Voilà. Donc ma famille s'appelle Renard. Il est beau, hein. Voilà ce que j'ai reçu. On parle d'Alexia. Je sais pas si avec les... Bon bah voilà, j'ai été gâtée. Hein. Hop, je remets tout dedans. J'aime bien ces enveloppes-là. Je trouve ça sympa ce format-là aussi. J'en ai préparé une fois que je la finisse. Normalement c'était pour ramer, mais j'ai fait l'enveloppe. Elle me plaît, mais les embellissements, j'arrive pas à... Enfin, je les ai pas fait. Faut que je le fasse. Là, tu regardes comment elle a été faite. Non, moi, en fait, j'ai pas fait comme ça sur l'autre que j'ai fait. En fait, elle a pris une feuille 30-30 qu'elle a fait en enveloppe. Oui, mais là, elle l'a pliée. Moi, je l'ai découpée et recollée. Non, bah, je te montrerai si tu veux comment on fait une enveloppe. Mmh. C'est tout simple. Ouais. Ouais, c'est juste, faut arrondir et non, franchement, c'est tout simple. Donc, voilà ce que j'ai reçu. Bah, alors, ça, dans la semaine dernière et ça, aujourd'hui. Bon, bah, merci beaucoup, les filles. C'est super sympa. Et puis bah moi je vous dis bah plus tard. Je pense que la semaine prochaine, si je me trompe pas, enfin si j'arrive à finir, mais elle est presque finie. Il y aura un tuto, donc c'est exactement le même style. Ouais, c'est le même style, sauf que moi j'ai fait des pochettes et tout. Mais vraiment le format, vous pouvez refaire le même. Parce que c'est ça. Et j'ai mis un ruban. Donc le tuto, il sera en plusieurs vidéos, je pense. Donc je mettrai lundi, mardi, je pense. Enfin bon, je ne sais pas encore. Et puis ben voilà. Et moi je vous dis, ben, sinon, bon week-end. Parce que je vais mettre cette vidéo là tout de suite. Hein. On va la mettre tout de suite. Et puis à plus tard. Et puis encore merci beaucoup les filles. Et merci Séverine. Allez, bisous. Au revoir.